Les populations de Côte d'Ivoire mobilisées à Daoukro pour apporter soutien et réconfort à la famille Bédié. En effet, le lundi 27 mai 2024, la place Henri Konan Bédié a abrité la première journée de présentation de condoléances accompagnée du traditionnel Nzié Dan. Le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, se tenait aux côtés de veuve Henriette Konan Bédié, des enfants Bédié et des membres de la grande famille Bédié. Une présence remarquée, celle de Sa Majesté Nanan Amandoufou V, roi du 108, dans le sud Komoué, qui a apporté son soutien à la famille endeuillée. Pour la première journée du Yakou, les délégations des districts du Komoué, du Beke, du Hombol, des Lacs, du Yamsoukro se sont succédées pour présenter leurs condoléances et faire leurs dons aux familles Bédié et alliées. Au district de Komoué et d'autres délégations annoncées. Et qu'à la pastor. On est Bayambe, Bignon, Yabé Di, Bétigan, moi, Yabé Ba. Et ma bima, et d'éviter le docteur Philippe, Pagno Philippe, et la bima,
Rappelons que la cérémonie de présentation de condoléances se poursuivra les 28, 29 et 30 mai 2024. Le président Bédé était tout pour nous. C'était notre président, notre boussole, notre repère, notre baobab. Il était notre guide. Aujourd'hui, ce guide qui nous dirige n'est plus. Et en tant que militant, en tant qu'Ivoirien, reconnaissant des bienfaits et les qualités de ce grand homme, c'était un devoir pour moi de venir pour honorer ce grand président. Je suis donc triste d'avoir perdu ce grand homme. Mais je suis triste, mais à la fois, je ne suis pas découragé. Parce que le président Bédé, vous le savez, il a mené tous les combats pour ce pays. Et d'ailleurs, des bons combats. Oh, il nous a laissé à quelques mois du congrès et des élections municipales, bien sûr. Qui signifie que le président Bédé nous montrait des signes, nous montrait le chemin que nous devrons suivre. Aujourd'hui, je suis plus que triste de me retrouver ici à Daoukro sans le président. Encore sur cette place mythique qui est la place HKB. Je suis vraiment déçu, mais on ne peut que continuer les œuvres du président parce que le président est un homme de combat, un homme de devoir. Nous devons de poursuivre ce qu'il a commencé. Nous venons tout à l'heure de passer au niveau du district de la Komoué. Notre délégation vient de faire son passage pour présenter nos condoléances les plus attristées à la famille du président Bédié, à la famille Kwazan et aux familles alliées, et également au président du PDCI-RDA et à toute la famille du PDCI-RDA. C'est un moment de tristesse parce que nous nous rendons compte plus que jamais que le président Aimé Henri Konabédié nous a quittés pour toujours. Au fur et à mesure que nous avançons vers la date du premier, date de la fin des obsèques du président Henri Konabédié, ce fut un grand homme d'État. Il a servi ce pays depuis des décennies. Et aujourd'hui, il nous quitte, il nous laisse orphelins. Mais comme on dit chez nous, quand les fesses des grandes personnes finissent, ça rentre dans les fesses des plus jeunes. Aujourd'hui, le président Tidiane Thiam, nouveau président du PDCI-RDA, prend le flambeau
et nous pensons que tous autour de lui, nous allons relever les défis du futur pour réaliser tous les rêves que le président Henri Konan Bédié n'a pas pu réaliser à cause de ce coup d'État qui a frappé notre parti en 1999. Je voudrais donc dire à nouveau Yako à Madame Bédié, Yako à toute la famille Bédié, Yako à ses enfants, Yako à sa belle famille, Yako au président Tidiane Thiam et Yako à toute la famille du PDC-INEA, à toute la population de Daoukro et de Pepresso. En tout cas, que Dieu l'accueille dans son paradis et qu'il repose en paix. Mes impressions sont des impressions de tristesse parce que je perds, pour ne pas dire nous perdons, un père, un guide, notre président, le socle et le référent politique. En effet, parler du président Bédié n'est pas chose aisée, mais je vais m'y essayer. Le président aimé Henri Konan Bédié, du point de vue de toutes les personnalités éminentes qui ont pris la parole, fut un homme d'État exceptionnel, un grand commis de l'État, un bon père de famille. Je peux l'affirmer, moi qui ai eu la chance, souvent de fois, d'être reçu par ce grand homme d'État. J'ai trouvé un père affectif qui savait orienter, qui donnait des conseils avisés pour le mieux-être de notre devenir. Son Excellence Aimé Henri Konan Bédié m'a fait l'honneur de me recevoir au plus fort de la crise sanitaire Covid. Ce n'était pas facile. Il m'a donné de prodiguer des sages conseils. Il m'a dit, mon fils, on me dit que tu es très dynamique. Je souhaite que tu continues dans cette lancée et ça va payer un jour. Et quand vous sortez aux côtés de cette audience avec cette personnalité exceptionnelle, vous ne pouvez que vous être vigoureux pour aller sur le terrain pour l'objectif que vous savez, la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Mais je voudrais dire que son Excellence Aimé Henri Konan Bédié, je voudrais lui dire, papa, monsieur le président, dormez tranquille. Votre combat ne sera pas vain. Mission accomplie, monsieur le président. Nous allons, sous la houlette de l'actuel président élu, son Excellence Cheikh Tidiane Thiam, continuer l'œuvre incommensurable que vous avez entamée pour aboutir in fine à la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Je m'y engage avec toute mon énergie, avec mon équipe, le Forum National de PDC-RDA. Je voudrais m'incliner devant la mémoire de ce grand homme exceptionnel d'État, son Excellence Aimé Henri Konan Bédié. Yako à maman Henrietta Konan Bédié. Yako à tous ses enfants. Yako à sa famille biologique. Yako à la famille croisant et alliée. Président, reposez en paix. Vous n'avez pas vécu inutilement. Nous venons de perdre un grand homme. Nous venons de perdre un monument. Sentiment, j'ai la gorge très nouée. J'ai l'impression que la terre est en train de quitter sous mes pieds. C'est un monsieur qui a donné toute sa vie. 26 ans, il était déjà un homme d'État. Il a été chassé du pouvoir en 1999, il est revenu, il a été trompé par les autres, il a été un faiseur de rois. Aujourd'hui, on vient assister à son départ pour l'au-delà. Que deviendra la Côte d'Ivoire? Que deviendra la jeunesse? Lorsque la jeunesse s'élève, c'est lui qui s'est calmé. Lorsqu'on l'insulte, c'est celui-là même qui ne répond pas. Qui va jouer encore ce rôle? Ce sont de grandes questions que je me pose. Mais Dieu merci, il a enseigné à ses enfants, à ses collaborateurs, comment vivre cette paix-là, comment gérer la paix future. J'ose croire que ses prédécesseurs, que nous sommes, nous n'allons pas faillir à ce devoir. Et nous allons perpétuer l'acte de Ofoué-Boigny, par-delà l'acte de Henri Konan Bédié.
C'est vrai, depuis le 1er août 2023, Dieu l'avait rappelé, mais aujourd'hui, on se rend compte que le président me dit qu'on ne va plus jamais le voir sur cette terre-là. C'est un pincement au cœur. En même temps, nous remettons la main de Dieu. Nous remettons l'âme du président Bédier en main de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant lui accorde le paradis, lui pardonne ses péchés, afin que de là-haut, il puisse vraiment prier pour nous. Le président Bédier fut vraiment un chef d'État, un homme de paix. Et le président Bédier avait la main sur le cœur. Donc, il avait le sens du partage. Le président Bédier avait un regard particulier, avait un geste particulier vis-à-vis des démunis. Tous les mois, on voyait des démunis venir prendre, c'est ce que même, le minimum pour se nourrir et même au-delà, payer la scolarité. Et tout ça là va marquer. J'imagine tous ces milliers de personnes qui sont devenues orphelins aujourd'hui. C'est vrai, les Ivoiriens sont devenus orphelins, mais particulièrement les plus démunis. Et on pleure, c'est vrai. À un moment donné, on est obligé de se nourrir l'âme. Parce que quoi qu'on dise, on ne va plus jamais le voir. Que l'âme du président Bédier, qu'on avait dit, repose en paix. Vous savez, les mots me manquent. Mais simplement dire merci à la population de Daouko qui a reçu les délégations. Mais alors, c'est beau, venu de Sud-Comoué. Aujourd'hui, nous sommes en district. Le district, vous avez le Diablin, vous avez Agnibéokro, vous avez le Sud-Comoué à Boisseau. Vous savez, c'est vraiment parti comme ça. Sans le président Bédier, on a un pincement au cœur. Mais moi, je vous dévoile un secret. Je suis un homme, mais le président Bédier a été mon témoin de mariage. Mais j'ai toujours dit au président, je préfère être sur le terrain, te prouver que tu as pu faire quelque chose. Alors vraiment, c'est avec un pincement au cœur. Je vous remercie.